Salut tout le monde, bienvenue à Santiago Bernabéu, ici à Madrid. Et pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. C'est un beau jour pour les amateurs de foot. Tout recommence aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous avait manqué, on avait hâte. Le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. On va pouvoir évaluer l'état de forme de l'équipe championne en titre. Elle va pouvoir afficher tout de suite ses prétentions sur cette nouvelle saison. Oh, c'était extrêmement dangereux, très bonne intervention. David Alaba. Un cross. Modric qui perd la balle. Entre elle et Maria, il a du soutien. Attention! Adversaire qui s'empare de ce ballon. Allez, par-dessus, pas mal. Ouais, dans le trou. Oh, l'ouverture du score! Déjà vu dans cette rencontre, ah, ça devait être animé. On voit ce ballon en cloche qui a mis la défense en grande difficulté. Ensuite, il décide de conclure en force. Ils sont face à face. C'était le bon choix. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Ah, Neymar qui commet une erreur assez inhabituelle dans son cas. Mendy, Kamenich, Karim Benzema. Non, ça n'ira pas plus loin. Très bonne interception défensive. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Il essaie de gêner Messi dans son action. Ce sera une touche, mais ça aurait pu être un corner. Il intercepte. Eden Hazard. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Messi toujours, personne pour l'arrêter. Eder Militao. Et c'est sans problème pour Donnarumma. Kylian Mbappé. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Allez, tout est à refaire, un but partout. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Ce ballon ne parviendra pas à Léo Messi. Kamenric pour Benzema. Ouais, lumineuse cette passe. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct.
assez bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. C'est finalement un ballon perdu. Oh, très bien défendu. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Di Maria. Ah, il est parti trop vite. Et oui, il se retrouve hors jeu. Karim Benzema. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Et le but! Oh, il passe devant avec ce but, c'est magnifique! C'est quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. C'est 2 buts à 1 donc maintenant. Neymar. Verratti. Achraf Hakimi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ils perdent ce ballon. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Tad à venir défendre. Attention. La petite passe en cloche. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Ouais, bien tiré ce corner. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Tiens, vous voyez que le synthé confirme notre impression. L'équipe locale est un petit peu privée de ballon. Hein. Mais ce qui compte. Ah, bon ballon pour Eden Hazard. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Oh, l'intervention magnifique dans les buts. Cette tête était magnifique. Touche en faveur du Real Madrid. Eden Hazard. Allez, par-dessus, pas mal. Un superbe geste défensif. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ça n'ira pas plus loin. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Attention, il peut centrer là. Allez, le ballon en retrait. Allez, vous pouvez égaliser là. Le Parisien qui égalise. Oh, attention au réveil du Paris Saint-Germain dans ce match. On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait, toute la défense prise à revers. Victor qui va au bout de son action, malgré un bon retour de la défense. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Idriss Agueye. La fin de la première période, une première période assez riche en buts hein, finalement, déjà 2-2 au score. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période pour l'instant je trouve. Elle est correcte hein, sa première période, surtout grâce à son égalisation tardive. En tout cas c'est un petit peu grâce à lui que tout est encore possible dans cette rencontre. Allez, c'est parti, la seconde période de ce match, ici à Santiago Bernabéu. Eder Militao. Mauvaise intention.
intervention là. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Complètement raté cette passe. Hors jeu, André Di Maria, dommage. David Alaba. Benzema. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Karim Benzema. Ouais, une fois, mais pas deux. Là, on a failli assister à un doublé. Mais cette fois, ça ne rentrera pas. Le corner, le ballon en pleine surface. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. L'occasion pour prendre les devants. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Et les supporters qui se manifestent. Ils ont compris que c'était peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette partie. Il choisit la frappe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Oh, l'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle. Et puis l'occasion de prendre l'avantage. L'arbitre qui intervient pour signaler une position de hors-jeu. Alors il fallut attendre un tout petit peu plus. Dommage. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Le bon ballon en profondeur. Neymar. Oh, il était temps d'intervenir là. L'équipe locale qui est en train d'imposer son jeu depuis environ un quart d'heure. On devrait voir cette équipe prendre l'avantage quand même. En tout cas, elle s'y prend de la bonne manière pour y parvenir. Ah, c'est perdu ça par Eder Militao. Benzema. Il se présente face au gardien. Le but signe Karim Benzema. Personne n'a pu l'empêcher d'aller au bout. Le Real Madrid qui prend donc les devants. La situation est délicate, dangereuse même pour Marquinhos. Oh, ballon de but pour Karim Benzema. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Et c'est l'évier, dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Un visiteur qui aime bien, on accélère un petit peu, il court après le score, mais clairement les locaux sont en train de prendre tout leur temps. Toni Kroos pour Casemiro. Eden Hazard. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Ouais, il y a des options dans la surface. Kroos. La passe de Toni Kroos, interceptée. Attention au contre. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Et c'est le but. L'égalisation parisienne. Égalisation pour le Paris Saint-Germain.
On voit la contre-attaque qui amène ce but. Et pas de détails. Hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. 3 partout. Hein. C'est un match où on ne s'ennuie pas. Et c'est Léo Messi, interception. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ouais, il est bien placé pour centrer. Allez, un corner pour virer en tête peut-être. Ouais, il est bien tiré le corner là. Ouais, très belle autorité du gardien sur ce corner. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Il va falloir l'enrayer, hein, cette contre-attaque, au plus vite, parce que ça va devenir dangereux. Ah, le ballon est perdu. Oh, bien coupé là par le défenseur. Angel Di Maria, la grosse occasion pour prendre l'avantage. Et c'est le but! Le but qui leur permet de prendre l'avantage! Il est bien placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Toni Kroos. La passe de Kroos n'arrivera pas. Ah oui, il est passé Karim Benzema. Allez, oui, peut-être l'égalisation. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Qu'est-ce qu'il est important, cet arrêt! Il va sauver la victoire. Dégagement de Marquinhos sur ce corner. Modric. Allez, pourquoi pas l'égalisation? La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Oh, la défense, là, bien vigilante hein, sur ce coup. Aucun problème hein, pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Encore 7 minutes à jouer. Modric. Allez, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant si l'équipe veut avoir une chance d'égaliser. Le public l'a bien senti. Marquinhos qui écarte ce centre. Contre-attaque peut-être. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Ballon perdu par les Parisiens. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Le centre au second poteau. Le gardien qui repousse, attention. Di Maria. À la surface, il y a du monde. Sans problème pour le gardien, ce centre. Il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Kylian Mbappé. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Elle était sur la trajectoire. Voilà, c'est terminé à l'instant. Une victoire donc pour lancer cette nouvelle saison. On va attendre un peu avant d'en tirer des conclusions, mais on peut dire que le tenant sera là, a priori, sur ce qu'on a vu aujourd'hui en tout cas. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Ah, c'est l'un des joueurs, sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut. Il a marqué 2 fois, bien sûr. Il a posé énormément de problèmes à l'adversaire. L'un des acteurs très importants de cette victoire. Allez, par-dessus, pas mal.
just like me. You wanna dance, I wanna lead. A sleight of the hand that you never see. You wanna dance, you don't know how to get it on the floor, man. Don't hold back for anyone. Close your eyes, just follow the inner light. You count on me. You count on me. You count on me. I can fly. I can breathe, learn to sing like Do-Re-Mi. So you wanna dance, and you wanna be the bad out of Salut à tous. Le spectacle s'annonce passionnant ici au stade Vélodrome. Alors c'est moi, bien sûr, Hervé Matou, qui vais vous accompagner dans ce match. La France affronte le Paris Saint-Germain. Ce match qui est l'occasion de faire le trou avec l'adversaire du jour, de les mettre à 6 points en cas de succès. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Ah, le drapeau qui s'est levé, c'est un hors-jeu. Quel dommage hein, sur ce ballon en profondeur. Mais la passe qui a été adressée un petit peu trop tard, avec un tout petit temps de retard qui a été fatal. Kylian Mbappé qui centre. Et oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Ah non, le ballon est perdu. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Loris, oh magnifique le réflexe. Il cherche le point de pénalty. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Ouais, superbe geste de Coman qui est passé. Paul Pogba. Il avance balle au pied. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Christopher Nkunku. Dans l'espace directement dans les pieds de l'adversaire. En profondeur, oui, bien vu. Oh, quelle occasion ratée! On était à deux doigts de voir le premier but dans ce match. Quelle maladresse quand même. Golo Kanté qui avance balle au pied. Allez, il y a du monde au second poteau. Oh, la tête qui passe juste au-dessus. Ça s'est joué à rien du tout. Entre Di Maria. Messi. Marco Verratti. Oh, bien vu ça. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Corner dégagé par la défense.
Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Neymar. Di Maria. Avec Neymar. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Griezmann qui continue de progresser. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Kylian Mbappé. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le but. Le premier but dans cette partie. L'équipe de France qui mène au score. Christopher Nkunku. Sergio Ramos qui met le pied sur le ballon. Léo Messi. Verratti. Perte de balle de Verratti. Il progresse vers le but. Antoine Griezmann. Oh, c'est repoussé par le montant. Ouais, il y avait l'idée, mais le gardien s'empare du ballon. N'Golo Kanté. Nkunku. Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé dans la surface. Oh, le but, magnifique. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart, hein. 2-0 au tableau d'affichage. La touche sera parisienne. Le duel pour la récupération du ballon. La solution dans l'axe peut-être. Ah, c'est l'équipe locale, hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Le ballon qui change de camp. Nkunku. Ballon en profondeur. Ah non, c'est mal exploité. Sergio Ramos. Ah non, la passe est interceptée. Christopher Nkunku. Allez, comme elle vient. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Défenseur qui enraye cette action. Duel pour la possession. C'est Sergio Ramos qui intercepte. Hors jeu signalé et sifflé. Elle était pas mal cette passe, mais un peu précipitée. Il fallait laisser le temps à tout le monde de se replacer. Ce n'était pas le cas. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score.
C'est reparti dans ce match avec un PSG qui n'a pas montré son meilleur visage en première période. Marquinhos. La transversale pour renverser le jeu. Messi. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Finalement, ça ne donne rien. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Verratti. Verratti. Ah non, la passe est interceptée. Allez, il y va. Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Neymar. Marco Verratti. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Antoine Griezmann. Le Kanté. Kanté, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Ballon perdu par Neymar sur cette passe. Et ballon perdu dans sa propre moitié. Attention. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, il l'avait juste au-dessus de sa barre. Bien joué le gardien du bout des doigts. Et ça continue. Recorner. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Vous voyez que les statistiques nous confirment la nette domination de cette équipe en termes d'occasion créée. La défense adverse qui ne sait plus trop quoi faire pour repousser le danger. Il est en train de remonter le terrain. Il prend la frappe. Oh, ça va passer juste au-dessus. Oh, c'est toujours difficile hein, de trouver le bon dosage avec ces ballons piqués. Là, c'était pas mal joué. On a atteint l'heure de jeu. Di Maria. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Kylian Mbappé. Ouais, pas de problème dans les gants. Neymar. Un centre ouais, contré par le défenseur. Ah, et Pogba qui poursuit son action. Ça n'ira pas plus loin. Neymar. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ils obtiennent finalement le corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Mauvaise relance. Kylian Mbappé. Heureusement qu'il était là. Kingsley Coman. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Et sur la transversale avant que le ballon sorte. Ah, c'était appliqué avec ce petit intérieur du pied. Mais c'est la barre qu'il a trouvé. Lionel Messi. Oh, bien coupé là par le défenseur. Mbappé. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oh, que c'est bien donné ça. Antoine Griezmann.
Ngolo Kanté en situation de marquer peut-être. Et l'intervention de Donnarumma. Théo Hernandez, Konko, Ngolo Kanté, Griezmann, Christopher Nkunku. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la... Oh, le grand danger. Oh oui, magnifique, magnifique. Le gardien qui repousse, attention. Oh, en deux temps, magnifique intervention, c'était chaud, hein. Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Antoine Griezmann. Avec Loris. Le ballon va être en touche. Kylian Mbappé. Marco Verratti. En position idéale pour centrer. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Léo Messi. Messi qui perd le ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ah, le mauvais dégagement, là. Attention. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Bon, sans grand danger, finalement. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est une très mauvaise affaire, hein, pour cette équipe qui espérait creuser l'écart aujourd'hui, qui finalement se fait rejoindre dans la course au titre.
Bienvenue à toutes et à tous, le coup d'envoi est proche ici au stade Vélodrome. Et pour vous commenter ce match, comme d'habitude, je suis là. France affronte le Paris Saint-Germain. Après la défaite lors du dernier match, l'équipe va essayer de réagir et prendre 3 points. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Ah, et Pogba qui poursuit son action. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Kingsley Coman. Griezmann.
C'est pas bien joué ça derrière. Attention le tir. Sergio Ramos qui contre ce tir. Un duel gagné, il prend le ballon. Mbappé. Attention, attention à Léo Messi. Loris, oh magnifique le réflexe. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah, le bon plongeon d'Hugo Loris. Ah, il part bien, ce corner de Di Maria. Oh, la mauvaise relance. Et ce sera finalement un nouveau corner. Le corner de Di Maria dans la surface. Un mauvais dégagement, mal fait. N'Golo Kanté. Théo Hernandez. Pogba encore. Bonne interception, hein, ça pouvait être dangereux. Verratti. Neymar. Va-t-il parvenir à centrer? Essaye de trouver la faille. Portée de Mbappé. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Théo Hernandez. Christopher Nkunku. Au centre, il y a du monde. Ouais, il repousse, ça joue. Oui, ça s'est donné comme il faut. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Griezmann. Il donne un ballon piqué. Le centre en retrait. Oh, sur le poteau. Ouh là là, c'était très chaud là. Le ballon qui a touché le cadre. Et finalement, il est capté. Plus de peur que de mal. Di Maria qui perd la balle. Et la bonne interception de Marco Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Belle aspiration sur cette passe. Mbappé qui va pouvoir créer le danger. Et l'arrêt du gardien. Sergio Ramos. Messi. Marco Verratti. Achraf Hakimi. Di Maria. Donc Messi. Messi toujours. Personne pour l'arrêter. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Kingsley Coman. Le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. Voilà le gardien qui fait du bien à sa défense hein, sur ce corner. Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. Oh le but! Kylian Mbappé qui ouvre le score. Alors on voit ce face à face remporté. Avec la puissance à la fin hein, pour parachever cette action. Graphisme qui est assez parlant. La possession du ballon est bien visiteuse. Non, le problème, c'est que pour l'instant, cette équipe ne trouve pas la solution. Elle aura du mal à revenir au score si elle ne prend pas un peu plus de risques. Ouais, une belle série de passes là,
de la part du Paris Saint-Germain. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Mais non, c'est pour Sergio Ramos. Ouais, très bon tacle. Théo Hernandez. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Neymar. C'est Ramos. Neymar. Mbappé en bonne position. Et le ballon qui est claqué par Hugo Lloris. Magnifique intervention. Ah, il part bien ce corner de Di Maria. Et la tête. Ouais, bah, ça passe très largement à côté. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Mbappé. Kylian Mbappé encore. On tiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période pour l'instant, je trouve. C'est lui qui a marqué le but qui permet à son équipe de mener. Donc. On retrouve les Bleus pour cette seconde période. Ils ont pris l'avantage tout à l'heure. On espère qu'ils auront autant de réussite d'ici la fin du match. Mbappé. Mbappé. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Di Maria. Avec du monde pour reprendre ce centre. Il sort le réflexe à bout portant, magnifique! Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Kingsley Coman. Théo Hernandez. Pogba. Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Allez, place là pour une contre-attaque. Cette contre-attaque est déjà terminée. Panel Kipembe. Paul Pogba. Kylian Mbappé. Ouais, bonne interception de Sergio Ramos. Attention, Kylian Mbappé dans la surface. Voilà, c'est dur de rater une occasion comme ça. C'était le but du chaos. Elle a du mal, hein, l'équipe locale, en ce qui concerne la possession du ballon. Elle a été capable, hein, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. À elle de préserver son avance maintenant. Mbappé. Coman qui a rendu le ballon à l'adversaire. Directement, bizarre. Kingsley Coman. Paul Pogba.
Oh, l'occasion, occasion pour Paul Pogba. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Ouais, bien tiré ce corner. Un corner qui ne donnera rien. Paul Pogba. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Neymar. Hernandez. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Léo Messi, balle au pied. Idrissa Gueye. Allez, peut-être le but égalisateur. Loris qui n'a pas capté. Attention. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Messi. Et on va y retourner. Nouveau corner. Messi qui frappe ce corner. Bien parti. Golloris, ballon délicat, il va devoir s'en sortir. Pogba. Kinsley Coman. Griezmann. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Ils reprennent possession du ballon. Théo Hernandez. Ce ballon en profondeur qui va filer jusqu'au gardien. Kanté. Au centre, il y a du monde. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Messi. André Di Maria. Oh, c'est renvoyé par la barre. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Objectif de jeu d'Mbappé qui intercepte ce ballon. Ouais, bonne lecture de Kingsley Coman sur cette interception. Kylian Mbappé. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ah oui, la bonne passe. Léo Messi. Le gardien qui soulage sa défense en écartant le danger. Elle ne retrouvera personne, Di Maria, sinon un adversaire. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Kingsley Coman. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Allez, il peut s'échapper là. La cage complètement abandonnée par le gardien.
Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Allez, encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et là, ça gagne. Mbappé. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Il progresse vers le but. Il file seul vers le but. Ah, magnifique, hein, le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Le corner en direction du point de pénalty. Corner qui est dégagé. Et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est un résultat qui change pas mal de choses. Puisqu'en s'inclinant aujourd'hui, cette équipe se fait passer. Très mauvais résultat, très mauvaise opération. Salut à tous, bienvenue à l'Orange Vélodrome, bienvenue à Marseille où le ciel est magnifiquement dégagé, c'est souvent le cas dans la cité phocéenne, mais c'est une bonne nouvelle, il fait très beau pour cette partie. En commentaire, Hervé Matou, je suis prêt dans ma cabine, j'ai mes petites filles, j'ai ma petite boisson, mon petit coussin, tout va bien. C'est un match très important, les espoirs de titre qui peuvent s'envoler définitivement si ça se passe mal. La France contre le Paris Saint-Germain. L'équipe sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. En cas de défaite, le titre s'envolerait. La récupération de Paul Pogba. Centre peut-être, allez. Oh, la défense, là, bien vigilante hein, sur ce coup. Il s'égaye. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Mbappé. La défense qui tient bon pour l'instant. Il s'agaye. Il avait vu venir. Neymar qui ne lâche pas le porteur du ballon.
On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, une belle série de passes là, de la part du Paris Saint-Germain. Le match qui est en train de mal tourner. Cette équipe qui avait besoin de 3 points pour devenir championne. Et pour l'instant, elle n'en prend même pas. Hein. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. L'action qui se poursuit. Idriss Agueil, Marco Verratti. Avec Verratti. Ah, il joue encore avec Verratti. Di Maria, occasion de but là pour André Di Maria. Elle avait le titre à portée de main. Et elle est en train de passer à côté de ce match, l'équipe. Elle prend l'eau de toutes parts. Du bout d'écart, hein, 2-0 au tableau d'affichage. C'est un bon perdu par la France. Marquinhos. André Di Maria. En retrait, c'est dangereux. Et le but! On revoit ce bon centre en retrait, bien donné en tempo, sous la pression, il arrive à couper. 3-0 pour la réaction en face. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ça, ça serait une touche. Verratti, Kylian Mbappé. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. Paul Pogba, il y a de la place, il peut prendre le couloir. Griezmann. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Oh, génial, quel arrêt génial. Le réflexe à bout portant. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Dégagement de Marquinhos sur ce corner. Il est bien placé, il peut centrer. Au premier poteau, le centre. Voilà, magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Ah, dommage, la frappe qui a filé au-dessus. La voie est libre pour l'attaque française. Ils sont partis vers le deuxième poteau. Oh, mauvaise relance. Ouais, le duel. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Kylian Mbappé. Ouais, bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Kylian Mbappé. Oh, le gros exploit personnel, attention. Kylian Mbappé. Oh, le but signé Kylian Mbappé. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Achraf Hakimi. Marquinhos.
Léo Messi. Allez, il a du champ. Hors-jeu. Ouais, le but qui est marqué, mais l'arbitre qui indique un hors-jeu. Ah, j'aimerais quand même voir le ralenti, hein, parce que c'était vraiment pas évident à juger à vitesse réelle. Konko. Allez, qui va reprendre ce ballon. Messi. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Oh non, c'est raté, mais pourquoi? Pourquoi jouer si vite? C'est un manque de sang-froid. C'est un ballon perdu par la France. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Maurice qui a repoussé. Attention, c'est pas terminé. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Ça peut devenir dangereux. Le PSG qui combine bien. Attention. Mbappé. Léo Messi. Ça n'ira pas plus loin. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. De le Kanté. L'espace s'est rendu direct à l'adversaire. Allez, c'est la mi-temps. Mi-temps 3 buts à 1 au tableau d'affichage. C'est parti pour la seconde période avec l'équipe de France à la manœuvre. Messi qui intercepte. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Marquinhos. Marquinhos. Il ne parvient pas à contrôler ce ballon. Angel Di Maria. Neymar. Et c'est un corner avec l'arbitre. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Voilà, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, la passe en profondeur, attention. Et le but, oh là là, l'exploit qui est désormais à portée de main. Plus qu'un but, ils sont revenus à la hauteur. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Oh, il a un boulevard devant lui, là, Di Maria. Autre signe, subi par N'Golo Kanté. Et il progresse toujours, Kylian Mbappé. L'arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout. Et Sergio Ramos qui écope d'un carton jaune.
Griezmann. Ah, c'est un peu précipité là. Allez, il tente la petite passe aérienne. Angel Di Maria. Oh, quel dommage. Il avait réussi à créer le danger. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, le bel arrêt de Loris. Touche, un touche pour le PSG. Et c'est un corner. Hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Ouais, bien tiré ce corner. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. Loris qui n'a pas capté, attention. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Allez, les Français, il faut se créer l'occasion. Le centre d'Antoine Griezmann. Mais ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Kylian Mbappé. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oh, quelle énorme occasion. Quelle énorme occasion de marquer. Et surtout, quelle énorme occasion de mettre l'équipe à l'abri. Toujours. L'erreur de relance du gardien. PSG qui marque. Et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. C'est même plus un cadeau. Ce stade, c'est une invitation à marquer. Regardez ce ralenti qui est vraiment cruel. Il mène à présent 4 buts à 2. On va mieux au spectacle. Alors que les autres maintenant, dans les 20 dernières minutes de cette partie. Mbappé. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Di Maria, occasion de but là pour André Di Maria. Ouais, le bon tacle. Continue sa progression. Di Maria. Ça part dans le paquet. Ouais, mauvais dégagement là. Attention. Attention Neymar. Ouais, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Coman. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Allez, pour revenir à un but. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Ouais, le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. Allez, il y a de l'espace devant lui. Mais c'est pas fini, plus qu'un but d'écart. Oh, cette fin de match va être folle.
Ah, rencontre passionnante. Le score qui est à présent de 4 buts à 3. Neymar sur l'aile. Personne pour le contrer. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Ils peuvent peut-être plier le match hein, s'il s'applique bien sur ce corner. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Ouais, il ne s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Un joueur qui tarde un petit peu à revenir. Peut-être un dernier ballon dangereux pour les tricolores. Il en reste très peu de temps. Le gardien qui repousse. Attention! L'action qui n'est pas encore terminée. L'équipe qui peut de nouveau prétendre au titre. Encore un but. Et ce serait un pas important vers la victoire. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. La passe de Neymar qui est interceptée. Théo Hernandez. Kylian Mbappé. Antoine Griezmann. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Antoine Griezmann qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. Griezmann. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. C'est un ballon important pour l'équipe de France, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais non, finalement, ça ne donnera rien. Il y va tout seul. Le gardien, c'est pas fini. Oh, il marque. La délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match. Enfin, regarde ces images, on va pouvoir analyser quand même cette volée exemplaire en tout point. Le geste technique est juste parfait. Voilà, ça se termine à l'instant. Ça se termine à l'instant et c'est important. La course au titre n'est pas validée, n'est pas terminée. Non, ce n'est pas plié. Et cette équipe, en prenant 3 points, montre qu'elle veut jouer jusqu'au bout. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. When you tell her no ban, go ban, this thing mean I am ending.